Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le petit radio AM, FM, stéréo. Là, il y a le AM à courte fréquence. Et c'est vieux, c'est une vieille babelle. Parce qu'aujourd'hui, même ils en font encore de ça, mais ils ont changé le casing, mais c'est le même principe. C'est parce que lui, il a les fréquences AM, les fréquences courtes. Bizarrement, c'est un gros vendeur dans ce temps-ci. Mais lui, c'est que tu peux capter les fréquences à travers le monde. Tout dépend l'heure où tu es. Tu as un setup ici. En tout cas, là, moi, je vais vous montrer un peu le fonctionnement de cet appareil. Le général, là, si on veut. Ça, premièrement, c'est un Grundig. C'est un mini 300 World Band Receiver. Le fonctionnement, tu as le power on ici, tu as le volume qui est là, pour ton tuner qui est ici, pour tes channels, c'est qu'en haut tu vas avoir ton FM. Le FM lui, il est stéréo. À part de ça, le AM, lui, tu vas l'avoir dans le mono. Sauf que tu as 7 switches. Si tu y vas comme ça. Mais tu as 7 switches, mais tu vas chercher plus que ça parce que tu as le haut et le bas quand tu arrives dans le AM. Étant donné que les fréquences sont proches. Ici, vous avez un setup qu'ils ont fait pour les fréquences. Puis, comme qu'ils disent, c'est qu'il y a certaines fréquences qui étaient mieux d'utiliser durant le jour et d'autres le soir. Premièrement, quand tu veux essayer de trouver une fréquence sur le AM à courte et courte fréquence, c'est pas l'antenne extérieure qui fait la job. C'est pas elle qui est utilisée. Il y a une autre antenne à l'intérieur, plus le dos du boîtier. Fait la chose que tu fais, c'est que tu tires ton antenne comme ça, et tu cherches les fréquences. Juste à te promener comme ça, puis tu peux le retracer. Ta main ne dérangera pas vu que tu es placé dans le AM. On pourra l'essayer même. Je vous ai sorti le manuel. Même pour installer l'heure, la lampe, tout ça. Parce que c'est quand même assez vieux. C'est pour ça que probablement vous pouvez en avoir. Parce que vous vous souvenez à l'époque, quand on allait acheter une petite radio portatif, là, comme ça. Là. Mais les vendeurs, tout de suite, nous proposaient quelque chose qu'on connaissait peut-être même pas. Tu sais, comme avec toutes ces fonctions-là, puis avec. Mais nous autres, on avait besoin du FM avec notre poste à nous autres, là, puis peut-être deux, trois postes. Puis... Mais sauf que c'est ça qui était sur le marché. Puis sans même qu'on sache, mais là, aujourd'hui, tu rouvres ta boîte, puis tu te rends compte que ça peut servir. Parce que c'est une radio dans ces temps-ci. C'est quand même assez drôle que c'est un gros vendeur. Parce que justement, si jamais tu perds tes fréquences radio, AM, FM, que tu es habitué d'entendre dans ton tes iPod ou n'importe quoi, mais ça, c'est parce que lui, il a la courte fréquence qui est dedans. Ce qui te permet d'entendre ce qui peut se passer alentour du monde. Puis il y en a beaucoup qui mettent ça dans le sac de survie, dans les casous. Puis bizarrement, mais c'est un gros vendeur dans ce temps-ci. Bizarrement, on peut le dire. En général, dans les bandes des fréquences inférieures à 13 MHz, à partir de là, ça veut dire si tu mets ton poste à 4 ici, ben c'est à peu près là, OK? Et à partir de là, ce qui est plus bas, dans ces fréquences-là, tu vas être mieux le soir. Puis à peu près de ce qui est là, tu vas être mieux le jour.
Mais ça, c'est encore toujours meilleur quand tu arrives au coucher du soleil ou ben ou le lever du soleil, que tu peux avoir des fréquences un peu partout dans le monde là, que tu dès que tu mets ça, disons on est le soir là, ben on irait par ici. Inférieur à 13 sont meilleurs la nuit. Comme là, nous sommes la nuit. Si je mets ça à 2, FM, AM, 1, 2. Comme vous dites, l'antenne n'a pas besoin d'être levée. Là, je suis dans la maison. C'est certain, dans ça là. Même encore, je vais le tourner parce que justement, mes fréquences. Encore, il faut que tu prennes la panne. Oh, c'est pas là. J'ai pas. J'ai mon FM. Que j'ai l'antenne là. Vous voyez, elle est bonne. Mais dès que je mets sur mon AM, même le AM. Régional. Pointe presque rien. Il doit avoir un problème dedans. Je le roule et on va checker si c'est réparable. Bon, en espérant que ça ne soit pas grand-chose. Ce qui est commun avec ça, ben c'est justement les batteries or. Quand tu t'en vas loin ou bien sur ta chaloupe, puis tu vas écouter la radio, on voit que tu peux t'apporter un paquet de batteries. Et oh. Peut-être un petit fil de coupé là, pour l'antenne. Ensemble. Parce que là, il n'y a rien d'apparent. Les sons étaient jolis. Dans un tape, là. Je vais le mettre comme ça. Et il faut pas qu'il touche nulle part d'autre pour sortir du tape. Oui, là, j'ai pris un channel qui devrait être dans le milieu. Oh. Je suis dans la maison. D'après moi, il est correct, l'OM. C'est dehors que ça fonctionne, ça. C'est pour l'extérieur. L'OM à courte fréquence. Parce que dès que tu arrives dans un mur, mais. Il y a ma plaque de métal qui est là aussi. On va le refermer, on va l'essayer dehors. Bon. Ok, là, vous voyez, j'ai pogné. Je suis allé dehors.
Peut-être. OK, hey, oui, faut se quitter là-dessus. Je suis désolé, puis je souhaite une bonne route. Soyez prudents. Je veux juste saluer. 735, je suis Lorraine. Ma cousine est écoute à tous les soirs, puis c'est un gars qui travaille à l'enfant Jésus, il se présente dans sa job. Il va voir de ça, mais. Fait que bonne soirée, Jérémy. Dans les courtes fréquentes. Il y a un répertoire dans chaque région, dans les courtes fréquences. Si tu veux, tu peux trouver ta région. Puis tu vas directement dans la fréquence qui est écrite là, avec ça ici. Comme lui, c'est 17.31. Et ben, sur ta liste, tel numéro, tu y vas. T'es supposé pogner la fréquence. Il faut que tu demandes dans la région que tu vas, que parce que c'est pas tout à fait, c'est pas nécessairement évident de pogner, parce que en plus faut que tu joues comme ça avec. Moi, je suis en plein ville, le pont Jacques-Cartier, il y a Télémétropole qui est là, TVA, oui. Puis Radio-Canada, puis beaucoup d'antennes. Parce que d'après moi, ça va marcher. Tu vois, là, j'ai mon AM. Après le match d'hier, on a cassé, on a craqué physiquement, mentalement. Mais selon vous, est-ce que c'est une petite fêlure ou c'est une fracture ouverte? Est-ce que ça peut se réparer, ça? On parle pas beaucoup, je trouve. Vous voyez, ça joue, hein? Ça joue vraiment beaucoup, là. L'OM. Tantôt, j'ai payé du Mexique en arrière. J'étais en ville, là, c'est ça. C'est peut-être pas fait pour ça, ces fréquences-là. Si vous avez quelque chose comme ça, mais débarrassez-vous pas de ça. Plutôt, jetez un coup d'œil, puis vérifiez, voir si ça fonctionne, puis gardez ça proche. Même si c'est vieux, ça marche encore, c'est certain. Dans la description de ma vidéo, je vais vous laisser des informations générales de cet appareil-là. Comme ça, si vous trouvez dans vos boîtes, si finalement vous allez fouiller dans vos boîtes, pour voir vos bebelles. S'il y a quelque chose de bon encore, que si c'est possible de lui donner une deuxième vie. À la prochaine vidéo. Puis...